Guten Tag, dans l'épisode de ce soir, il y aura les combats de rue, de la romance, et nous réviserons également les jours de la semaine, dingue. Alors, l'objectif que je me fixe est de parler couramment allemand en moins d'un an. Pour cela, je vais étudier des ressources disponibles sur internet ou en analogique, et surtout, je vais m'imposer une contrainte qui sera d'utiliser des alternatives au contenu scolaire. J'ai rien contre, mais il a été créé pour être enseigné à un maximum de personnes, et je tiens vraiment à créer mon parcours à l'arrache, parce que j'estime que ça pourrait être plus intéressant pour moi. Et ça tombe bien, puisque l'application que je vais tester aujourd'hui propose du contenu gratuit, elle s'appelle Babbel, c'est parti! Et on démarre avec les phrases indispensables de survie pour un étranger fraîchement arrivé dans une ville hostile. Véritable couteau suisse, elles vous serviront de parade face à des inconnus. Toutefois, n'en faites pas trop et n'allez pas les susurrer à leur oreille. Hallo. Ich bin Sandra. Wie geht's? Wie geht's? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elles sont pas en train de faire connaissance. Elles font un tournoi de Shifumi. Wie geht's? Ouais, ça tient debout. Gut, danke. Ok, Babbel, j'aimerais savoir comment organiser une sortie. Wann hast du Zeit? Die Handynummer. Kannst du am Montag? Kannst du Eislaufen? Mouais, ça ne plairait pas à tout le monde de faire du patin à glace. Après, peut-être que c'est quelque chose de traditionnel en Allemagne. Frédéric et Hannes se sont rencontrés à la soirée d'un ami et conviennent d'un prochain rendez-vous. Kannst du Eislaufen? Ja, warum? Super, dann können wir zusammen Eislaufen gehen. Wann hast du Zeit? Am Sonntag? Am Sonntag habe ich leider keine Zeit. Kannst du am Montag? Wir können uns am Montagabend treffen. Um 7 am Eisstadion? Ja, gerne. Wie ist deine Telefonnummer? Meine Handynummer ist 004 385 201 97. Ah, rien de tel que de se poser au chaud devant un film après une sortie neige. D'ailleurs, je vais commencer à regarder des films en allemand sous-titrés français, je m'en réjouis d'avance, et je démarrerai avec Harry Potter, par exemple en regardant un par jour. Montag. Dienstag. Mittwoch. C'est une amie qui m'avait soufflé l'idée lorsque j'étais à la fac. Harry Potter. Elle les lisait en anglais, mais imaginez la difficulté en allemand. Donnerstag. Freitag, Samstag, Sonntag. Dites-moi en commentaire si vous regardez des films en allemand, en VO, sous-titrés ou non, et si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur le sujet. Je n'ai testé qu'une partie gratuite de Babbel. Je pense que l'application est adaptée pour les personnes débutantes qui souhaitent progresser sans se presser ni se prendre la tête. D'abord, dans le contenu, on découvre les notions, puis elles sont répétées, on fait une phase de rédaction et ensuite on révise. J'ignore par contre ce que vaut la partie payante. Le seul bémol que je vois, et c'est un avis personnel, c'est que je me suis ennuyé, le contenu est trop sage, on dirait vraiment l'école. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus fou. S'il existait un RPG indépendant qui t'apprend une langue en totale transparence avec le gameplay, par exemple le scénario démarre dans ta langue natale et à la toute fin les cinématiques, les dialogues sont en allemand, eh bien là je signerais direct. Si vous connaissez un pauvre germaniste, partagez-lui cette vidéo, il faut serrer les coudes. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Surtout, ne cessez jamais d'apprendre. Tchuss !